Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. C'est le matin. Pierre se réveille à 8h du matin. Je suis fatigué, je veux dormir. Ensuite, il se lève et il va dans la salle de bain. Puis, il se lave. Ensuite, il se brosse les dents. Puis, il va à la cuisine pour manger le petit déjeuner. Dans la cuisine, il trouve un bol et une tasse dans le petit placard. J'ai faim. Je prendrai des céréales. Ensuite, il trouve du lait, des céréales et du café. Il verse du lait et des céréales dans le bol. Et il verse du café dans le tasse. Maintenant, il mange le petit déjeuner. C'est délicieux. Maintenant, après le petit déjeuner, il va rencontrer son ami qui s'appelle Jean-Baptiste à Café Tatu. Bonjour Jean-Baptiste. Oh, bonjour Pierre, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va? Ah, qu'est-ce que tu vas faire pendant la vacance? Je suis allée à Paris. Qu'est-ce que tu as fait à Paris? J'ai rendu visite à ma famille. J'ai vu la Tour Eiffel, le Notre-Dame et le Louvre. Il y a beaucoup de peintures au Louvre et la Tour Eiffel est très belle. Aussi, les femmes sont jolies, très jolies. Ça va. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Je suis restée à Austin. Je suis allée en boîte et j'ai dansé. J'ai bu beaucoup de la bière. C'est bien. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas prendre pour le déjeuner? Je vais prendre un croque-monsieur pour les entrées et pour les desserts, je vais prendre un crème brûlée. Et toi? Je vais prendre un sandwich et des frites pour l'entrée. Et pour le dessert, je vais prendre un gâteau au chocolat, je crois. Je suis grosse après nous avons mangé le petit déjeuner. Nous avons besoin de faire du jogging. Oui, est-ce que nous pouvons faire du jogging près de fleuve? D'accord. Elle fait beau. Oui, c'est une bonne journée pour faire du jogging, n'est-ce pas? Oui, voici un joli fleuve. Oui, et les arbres. Je vois un canard. Maintenant. Oui. Au revoir, mes amis.